tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice d'un pin-up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet d'aujourd'hui, c'est cette carte qui peut être réalisée en différents coloris, comme vous le voyez, et surtout qui peut être réalisée en série pour en faire beaucoup. Là, j'en ai une trentaine de préparées, je vous les montrerai tout de suite après. Pour réaliser cette carte, on a deux solutions. Vous voyez qu'il y en a deux versions. Quoi qu'il en soit, il faut une base de carte qui mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5 cm. Alors là, sur cette carte-ci, la base est foncée. Sur cette version-ci, la base est claire, mais les mesures sont les mêmes. Il y a par contre dans cette version-ci, alors le fond coloré de cette version-ci à la même taille que le papier blanc qui est ici, et ils mesurent donc tous les deux 10 cm sur 14,35 cm. Et dans la version avec trois couleurs, le papier blanc mesure 9,5 cm sur 13,85 cm. Pour décorer ces papiers, alors j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait une série d'une trentaine, donc j'ai évidemment profité du Stamparatus. Et en fait, j'ai mis les papiers cartonnés blancs, donc comme je viens de vous les dire, ils n'ont pas la même taille, mais j'ai positionné le tampon pour qu'ils conviennent aux deux tailles. La version que je vous présente là est en Merlot Magique. Et alors, je voulais en profiter pour vous montrer. J'ai fait une partie des séries avec les nouveaux tampons encreurs et une partie en cerise carmin avec les anciens tampons encreurs. Et je ne sais pas si vous voyez, la lumière est horrible aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez, mais le tampon n'est pas très précis. Ça bave un petit peu. Il était bien ancré, on va dire, mais alors voilà. Par contre, c'est un désagrément que je n'ai jamais avec les nouveaux tampons encore. Alors j'en suis assez contente, donc bien que j'ai beaucoup de tampons, je pense qu'un peu à la fois je remplacerai les anciens par les nouveaux. Quoi qu'il en soit, revenons à notre carte. J'ai donc posé le tampon en caoutchouc, donc je n'ai pas mis de mousse la mousse noire, excusez-moi, sur le tampon, sur le Stamparatus, et donc tout simplement j'ancre. Je suis contente de la couleur, et puisque j'en fais une série, je vais placer le papier suivant. Je mets bien l'aimant. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire qu'il n'était pas indispensable, mais à nouveau j'ai eu une expérience. En fait, quand on soulève le tampon, la petite porte ici, ça peut emporter le papier cartonné et évidemment retomber sur le tampon encreur et tacher le papier. Sinon, ça n'est pas rigolo. Alors voilà la première étape terminée. J'ai mis la phrase que je souhaitais. Et pour faire cet effet de dégradé entre les flocons, tout simplement, je vais ancrer une fois mon tampon et je vais le tamponner une fois en première génération, une fois sans réancrer, et une troisième fois à nouveau sans réancrer. Et du coup, on a trois niveaux de couleurs, on va dire. Voilà, je vous le refais une deuxième fois. Du coup, j'essaie, pour qu'on n'ait pas trois tampons, trois flocons identiques, de tourner un peu mon bloc entre deux. Voilà, les tampons sont faits, on va pouvoir monter la carte. Pour monter la carte, c'est évidemment très simple. Je vais tout simplement en coller mes papiers. Alors, j'aime utiliser cette colle-ci parce que elle ne se voit pas, elle ne fait pas de marque à l'extérieur. Pour la version plus claire, alors je vous la montre. L'encollage est évidemment très facile. Il suffit de mettre le carton blanc sur le carton foncé et ensuite le carton foncé sur le carton clair. Vous comprendrez qu'on a du coup très rapidement réalisé une grande série.
Et puis j'avais envie de mettre un souhait à l'intérieur. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le Stamparatus. Je vais tricher. C'est difficile de tamponner bien droit quand on a ce genre de souhait. Du coup, je vais le mettre résolument de travers. Il n'y a pas de bon ou mauvais degré dans le travers. Du coup, je suis sûre qu'il ne choque pas parce qu'il est un peu bancal. Et puis pour fignoler cette carte, je vais y mettre des petites décorations. Et je vais mettre... Alors, j'ai essayé rouge sur rouge et j'ai trouvé que c'était un peu trop tout à l'heure. Alors, je vais mettre des sequins. Alors, il s'appelle exactement Bijoux Classique Cristal du Rhin rouge. Et je vais en mettre des rouges, donc, sur la carte bleue. J'ai égaré mon outil touche à tout. C'est un peu comme quand on est au téléphone et qu'on cherche un stylo. Quand je fais une vidéo, je ne trouve pas non plus mes objets. Bref, des bijoux cristal du Rhin rouge sur la carte bleue. Et puis des... Pareil, bijoux cristal du Rhin, mais cette fois-ci classique, on va dire. Sur la carte rouge, pour que ça ne fasse pas uniquement du rouge. Parce que je trouve que ça fait un peu trop. Voilà. J'en aurai donc une série. Je vous montre rapidement la pile de papier cartonné que j'ai préparé. Je vais pouvoir en faire une série assez rapidement. J'espère que cette carte toute simple vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie de faire votre propre version. Si c'est le cas, surtout envoyez-moi vos photos. Je suis très impatiente de les voir. D'ici là, je vous souhaite comme toujours une journée le plus créative possible et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.